What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Hellblade Senua's Sacrifice sur PlayStation 4, édité et développé par Ninja Theory. Superbe note, bien méritée, de 16,5, 17 sur 20. Et donc comme vous pouvez le voir, le jeu... voilà. Il impose dès le début. Donc là je suppose que je vais devoir déjà interagir avec cette espèce de monolithe. N'oublie pas mes histoires, c'est noir, car tes ténèbres arrivent de elle, et de ton destin s'y trouve. Oui, donc bon, on est dans un trip un peu mythologie nordique du coup, parce que les dieux, elle, et parmi les recherches que j'ai pu faire, Odin ou Ymir sont cités. Donc là, simple vue d'œil, on dirige une pseudo-viking en fait, dans un monde... alors là, voilà, à vous de me dire dans quel monde elle est. Du coup, je découvre le jeu en même temps que vous, c'est le début, donc je ne vais pas pouvoir dire grand-chose, on va surtout faire un gameplay découverte pour, donner vie à ce vidéo-test. Donc on va surtout écouter, j'ai pu repérer en haut de l'écran que ce sont des voix, des pseudo-voix dans sa tête, ou des voix qui les suivent, en tout cas ces voix sont matérialisées par l'écran qui suit Senua en fait. Et les phrases d'en dessous, c'est en fait... un style de narrateur en fait, donc pour l'instant je n'en sais vraiment pas beaucoup. Le jeu n'est que sur le PS Store en dématérialisé pour 29,99€. Pour information, Ninja Theory c'est ceux aussi qui avaient créé les... Bon, je peux pas prendre la torche. Ouais, non. J'ai beau faire une touche, ça ne prend rien du tout. Et le monde est dégueulasse, hein. Ça fait vraiment bizarre, hein. C'est ceux qui ont fait par exemple, je sais pas, Devil May Cry DMC ou même Heavenly Sword, quoi, pour vous resituer un petit peu. Bon. Ah voilà, j'ai bien fait de faire toutes les touches parce que voilà, au moins la touche sprint, maintenant vous le savez, c'est L1. R2 pour focus, c'est son système de visée. Comme seul compagnon, elle aura son épée. Oh, le cadre change d'un coup. Qu'est-ce que c'est ce machin ? C'est glauque, c'est malsain à la fois, et pourtant c'est super prenant et passionnant à regarder, je trouve. L'héroïne, comme vous pouvez le voir, elle n'a pas non plus cette gueule très charismatique, elle a plus une tête un peu, je sais pas, victime, mais en même temps gentille. Alors ça, c'est une tête aussi qu'elle a à sa ceinture. Où es-tu ? Elle chercherait le corps de cette personne ? Le truc respire à travers le... Aucun doute possible, la source des ténèbres est à Helheim, et la déesse Hela y retient son âme. Tu ne le trouveras jamais. Et en plus, elle dit j'arrive. Dillion bien-aimé. Donc, elle rechercherait son copain. Donc, maintenant, on sait pourquoi on est là. Peut-être qu'on est à la recherche de quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui tient à cœur à Senua. Non, franchement, après, graphiquement, il est loin d'être dégueulasse. Hein, franchement. C'est assez beau à contempler. Par contre, c'est vraiment glauque. Je sais pas si vous voyez. Là, voilà, on a pas mal de corps plantés sur des pics. Donc apparemment, bon voilà, c'est un jeu qui va être vraiment à suivre sur un point de vue plutôt scénaristique plutôt que pour le gameplay ou autre. Malheureusement, le jeu, grand maximum, d'après la plupart des résultats journalistiques que l'on peut avoir sur ce jeu, sa durée de vie est très maigre, 8 heures apparemment en moyenne. C'est pour ça que le jeu ne coûte que moins de 30 € en fait, je pense que c'est justifié. Alors voyons, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Les Nordiques parlent des 9 mondes, Midgard, celui des... ouais, bon, ouais, on est vraiment dans le truc... Asgard... J'ai envie de parler tout en lisant en fait ce qu'ils sont en train de dire. Je suis désolé de ne pas être aussi présent que d'habitude dans tous mes tests là, mais là c'est vraiment... c'est une claque en fait un peu ce jeu parce que je le trouve vraiment prenant. Grosse surprise. On verra ce qu'il advient par la suite. Bon après, le personnage ne peut pas tomber. J'ai beau faire gauche-droite avec le joystick quand j'étais sur la poudre, elle n'est pas tombée. C'est les phrases, elles se contredisent quoi. Pourquoi elle a fait ça? Elle ne peut plus... Bon. Non, le monde est très dark. J'ai cru que c'était des peintures qu'il y avait. Non, ça c'est un style de roche. Enfin bon, elle est gravée quoi. Et nous avons une porte. C'est dangereux, touche. Non mais c'est vrai que ça se contredit quoi. Si en plus elle a des visions. Non après je trouve que non au final non, on voit ce qu'elle entend du moins. Elle le regarde pas directement. Non voilà, après ce que je disais par rapport à l'héroïne, à Senua, c'est vraiment, elle n'a pas ce côté ultra badass, charismatique, elle fait plutôt l'être un peu fragile, et en même temps je trouve que c'est super bien pour un jeu vidéo, pour une fois qu'on a une protagoniste qui va plus subir qu'autre chose. Vous savez, un peu comme les derniers Lara Croft. On voit que Lara Croft subit énormément dans tous les jeux. Bon, sauf que Lara Croft, de base, est classe. Sauf que là, sinon, on n'en sait rien d'elle. Elle a pas trop la tronche vraiment trop guerrière. Enfin, même si l'habit... voilà, enfin, on pourrait croire que voilà, l'habit fait pas le moine, quoi. C'est... non, franchement, c'est assez prenant sur... en tout cas, sur ce qu'on nous montre, quoi. Ok, donc il y a un symbole. Garde-la dans ton œil intérieur, trouve la même pour voir la porte. Ok, bon, il va falloir que je trouve le même logo. Il doit être sur la porte, je suppose, enfin, parmi tout ça. Donc du coup, voilà, le jeu est passé Gold il n'y a pas très longtemps. Donc Gold, j'explique, c'est en fait qu'ils avaient terminé le développement il n'y a pas très longtemps, le 27 juillet. Donc du coup, franchement, ils l'ont fini peu de temps avant. Et je trouve pas, ça commence à m'inquiéter. Non voilà, parce qu'on a souvent des jeux pas très finis avec des mises à jour et tout, et là Ninja Theory nous ont confirmé que le jeu était fini. Je le trouve pas. Ce que je vais faire, parce que je sais que moi je me connais, je peux y passer énormément de temps, je vais cut et on va reprendre de suite dès que j'aurai ouvert la porte. Je vous dis à de suite. Alors les gens, vraiment, j'étais pas prêt de trouver. C'était là, cette espèce de logo de merde là, en ombre sur le rocher. C'est... En fait, là je reprends le cut. J'ai dû chercher pendant 15-20 bonnes minutes. Je n'arrive jamais à trouver ce genre de truc. Les jeux avec images à indices à trouver, enfin je suis mais une merde. C'est incroyable. Bon, du coup on perd pas de temps, on va continuer d'avancer. Là on est plutôt dans la phase de jeu où est-ce qu'on va d'abord voir un petit peu le côté graphique, mouvement de personnages, l'effet ragdoll, mobilité des corps. On est là vraiment pour découvrir bah, le code pur du personnage quoi, avant de rentrer dans une phase de gameplay. Et c'est plutôt sympa. Faut pas avoir le vertige. Elle va glisser, non? Il y a de l'eau dessus, enfin c'est un peu téléphoné comme machin. Il faut croire que non. Non, non, elle a parcouru le plus gros, donc non. Bon, ben continuons. Donc comme je vous ai dit, j'en sais vraiment autant que vous sur le jeu, mais au moins ce vidéo test vous permettra de voir si ben, il vaut bien ces 30 boules, si vous allez sauter le pas pour ben, au moins 8 heures de solo, si vous ne galérez pas comme moi à chercher les indices, car apparemment il va y en avoir pas mal, hein. Ça, d'après ce que j'ai vu, pas mal de trucs à trouver, c'est généralement ça en plus malheureusement qui vous fournit le temps de jeu. Encore un monolithe. Le monde des morts est contrôlé par Hela, le géant, fille de Loki. Oui bon, bon après, les dieux craignent les salignés, mauvaise du côté de sa mère, et puis encore celui de son père, d'accord. Oui bon ça, de toute façon, Hela. Non, non, partez pas dans la chanson. Non voilà, après bon ouais, on reste vraiment ouais, c'est l'idée de la mythologie nordique quoi, qui est vraiment appuyée sur le scénar et le background du jeu quoi. J'aime bien ces jeux où est-ce qu'on avance un peu à l'aveugle dans un point de vue scénaristique en fait. On sait vraiment pas du tout ce qui nous attend, on te file le jeu et on te dit allez démerde-toi, tu vas tout trouver toi tout seul. C'est plutôt sympa. La zone est plutôt grande. La porte repart, tu dois l'ouvrir. Ça se contredit, ça me fait... C'est drôle. Quoi. Le combat commence en trophée du gameplay. Oh, elle a vite avancé jusqu'à la porte. Allez, oui, tu peux y arriver, vas-y. Ah. Mesdames et messieurs, peut-être une première phase de gameplay. Est-ce que ces voix seraient pas un petit peu notre nous quoi, en fait, on est en train de conseiller le héros, on le voit en tant que spectateur, je sais pas. Je fais des hypothèses, hein. Les ténèbres. Oui bon ça je l'ai eu quand j'ai traversé le marais quoi, mais bon, ça avait la même gueule. Ah non, 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 ça avait pas cette gueule derrière non. C'est toi qui me l'as pris, je t'en supplie, laisse-le partir, je te donnerai ce que tu veux, je ne résisterai plus, rends-le-moi. Elle parle du coup de cette personne. Vous voyez, elle s'adresse en même temps à nous, des fois elle nous regarde avec les voix. Je pense que cet écran là, cette vue, doit avoir vraiment une grosse importance dans le scénar. Qu'est-ce qu'elle a touché pour avoir aussi mal? Oh putain, sa main! Elle a brûlé? Imbécile, tu vas mourir. Oh bordel, mais elle a tout le bras qui se nécrose! C'est dégueulasse! Oh là, un premier méchant. Wouah, il est grand! Ils sont... Putain de... Oh là là, ils sont putain de charismatiques. Oh, ils sont trop classe. Alors, ayant lu le gameplay, je sais que R1, donc du coup, c'est pareil, croix, esquiver, carré des attaques légères, triangle des attaques lourdes. Oh, c'est trop classe. Oh là là, oh, cette démarche et tout, ils sont trop... Ils ont un style un peu malsain, genre ils avancent comme un peu la Pyramid Head de Silent Hill. C'est trop classe. Pff, putain. Oh, 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 oh. Ah non, faut vraiment que je regarde quand est-ce qu'il me tape. Le combat est plutôt dynamique, même si c'est une vue un peu... genre comme le jeu For Honor, en fait. Oh, bordel. Ah, le mec il s'est même pas matérialisé quoi. Ah mais je peux pas le taper. Ah bordel. Ok, si on part au bon moment on peut faire des super coups. Ok, bon ça va, la prise en main est... Mais je peux pas les taper. Ouais bon, je vais crever. Je pense que je dois crever. Ouais, ils sont trop nombreux. Putain, c'est gênant de l'avoir souffrir comme ça. Oh, sa tête, elle change de couleur. Oh putain, la gangrène est montée jusqu'à la tête. Screamer? Non mais je suis pas déjà mort quand même. Alors, qui c'est qui vient me voir là? Viens me sauver. Une vision de l'avenir pour... Oh. What? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça lui fait mal la pourriture. Chacun de ses échecs. Bordel. Son bras recommence à se nécrotiser. Mais attends, mais elle crève combien de fois? Oh putain, c'est quoi ce paranormal activity là qui se passe là? Le Inception Body là. France n'auront servi à rien, ce n'est qu'une question de temps. Ouais, elle est vénère. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Mais c'est trop classe. La pourriture noire s'étendra à chacun de tes échecs. Si la pourriture atteint la tête de Senua, la quête est... Oh bordel, d'accord. Oh ok, c'est le game over en fait. Et tout progrès est perdu. Bordel, donc la pourriture noire est notre indicateur d'échec en fait. Mais c'est génial. Mais c'est super bien pensé, bordel. Les plus rudes batailles sont celles de l'esprit, Dillion lui a appris, à chaque défaite, la noire pourriture grandit, l'envahira bientôt son âme, mais pour l'instant, Senua garde le contrôle de son esprit, elle honorera sa promesse, quoi qu'il en coûte. C'est génial! Oh, c'est super! Non, franchement, oh, le système de jeu là, comme ça, de base? Mais c'est une super idée. On n'a jamais eu ce genre de truc dans le jeu. Enfin, dans un jeu vidéo. Ça me fait penser peut-être limite un peu au Dark Souls. Vous savez que votre corps devient de plus en plus squelettique hein, à chaque fois que vous perdez. Mais... Putain, c'est génial. Bon, d'accord. J'ai deux dieux qui m'attendent derrière, d'accord. D'accord, ok. Ok, derrière, c'est deux portes derrière. Il y a deux dieux. Et il faut que je batte les deux pour ouvrir la porte qui se trouve derrière moi maintenant. Mais c'est génial. Oh là là. Je kiffe. Je surkiffe les gens. J'adore. I love it. Ouais. Bon, elle est fermée, donc... Eh ben... Première porte. C'est génial. Putain, c'est ouf. Enfin, je sais pas si vous êtes aussi hypé que moi, mais franchement, c'est un régal. Oh, répète de leur dépouille. On fait remarque, hein, tu sais, hein, les délires nécrophiles. Hein. Faut être ouvert d'esprit un peu, les gens. C'est dégueulasse. Ok. Bon. Les portes qui s'ouvrent toutes seules, au plus grand des calmes. Non, voilà, après, niveau gameplay, avec la vue TPS et tout, j'ai l'impression de retrouver un peu le jeu For Honor, mine de rien. Et puis même au niveau des mouvements, même si après le attaque, contre-attaque, même la touche au rond, c'est brise-garde, il me semble. Et je sais pas, ça fait penser un mix au Dark Souls, au niveau du gameplay, je parle pas de la difficulté ou autre, juste le mouvement, le mouvement ragdoll, motricité des corps, etc. Ça fait penser un peu à du Dark Souls mélangé à plus de For Honor. Mais je pense que Dark Souls, je suis influé pour dire Dark Souls parce que le cadre s'y prête quand même. Vous n'allez pas me retirer ça. Ah, un autre truc à focus. De voir vrai. Ok. Bon, ici il n'y a rien. Le jeu, d'après ce que j'ai pu voir aussi, les recherches que j'ai pu faire, il n'y a pas de consommables, de collectibles à récupérer. C'est vraiment le jeu se trace quoi en fait. Hein. Il y aura juste peut-être quelques chemins, mais à un moment ça mènera à un cul-de-sac, ou alors il fallait faire quelque chose et puis après revenir. Ce qui peut être chiant aussi, parce que apparemment, dès que vous avez fait un objectif, vous êtes obligé de tout vous retaper en arrière. Ça sent la zone de fight ici quand même. Hein. Oh, un portail. Bon, on va y passer dedans. Regarde, ça a changé, le vois-tu? Pourquoi elle ne le voit pas? Que je vois quoi? Si vous avez vu un truc, tant mieux pour vous. Moi, je suis Miro, apparemment. Ah, mais c'est une porte, ça, au fait. Non, attends, ça avait la gueule d'une porte quand je m'en suis approché la première fois? Non, c'était pas une porte. Enfin, je sais pas, on va voir. Non, même quand je fais croix, elle veut pas aller l'ouvrir. Merde, j'ai avancé pour rien. Mais alors... Non, mais le portail est là, de toute façon. Non, non, c'est obligé que ce soit là. Et je veux dire, il n'y a pas d'autre chemin, là, quand même. C'est CQ putain de FD, quoi. Bon. On y repasse, pour voir. Ça fait quelque chose... Oh mais... Putain mais le jeu me troll quoi le... Je suis passé une première fois alors du coup elle aurait dû s'ouvrir la première. Non, nous voulons voir derrière le voile mais... Quand c'est fait, nous voulons vite oublier ce que nous avons vu. Ah peut-être que la première phrase pourquoi elle ne le voit pas, je pense qu'il aurait fallu que j'y repasse une première fois. Enfin une deuxième fois pardon. Je pense que ça doit être ça hein. Ok, bon, un système de... un jeu de visée en fait. C'est sympa. Ça pue la brume, ça pue tout court. Chelou ce qui se passe là. Bon, il y a peut-être le dieu là derrière cette porte. Allons battre le dieu de l'illusion. Ah bah l'autre porte est là. Il n'y a rien, allez. C'est le prix qu'elle paie pour voir les choses en ton nom, une fois le regard plongé dans les ténèbres, alors on voit aussi. Ok, encore du gameplay fight les gens. Alors. Putain, ils sont trop charismatiques. Allez, hop. J'ai appris de mes erreurs. J'autoloque là. Oula. Yes. Ah, c'est pas mal, hein, franchement. C'est cool. Ils sont trop classe, vous savez pas me dire le contraire. Le mastodonte de 2,20 m quoi. Allez, bim. Les combats paraissent quand même plutôt dynamiques, quand même, mine de rien. Ça... Oh. Je pensais pas qu'il allait me faire une attaque en dard comme ça. Ok, nice, prends-toi ça. Voilà. Allez, dégage. Putain, mais ils sont combien, ma parole? Allez, dégage. Encore? Oh, mais moi, ça me dérange pas, hein. Si après vous arrivez à en profiter en même temps. C'est bien, c'est noir, ouais. Bon, vous savez quoi? Bon, ça y est, la porte est ouverte. Je vais continuer parce que là ça fait quand même pas mal de temps que je fais du test et comme le jeu ne dure que 8 heures, je vais vous montrer le maximum de choses en un minimum de temps. Je vais faire un cut et on va se retrouver de suite en fait face à un des deux boss. Voilà, enfin face au boss de l'illusion. Je vous dis du coup à de suite. Vous avez pas raté grand chose à part quelques trucs d'énigmes où est-ce qu'il fallait que je replace enfin des symboles devant les portes. Oh, il est trop rapide. Oula, je sais même pas comment j'ai esquivé la première attaque. Ok, ouais, la garde faut la maintenir parce qu'en fait il peut avoir plusieurs attaques à la... Wow. Il est trop classe, franchement il est grave stylé le boss. Oh putain il peut jeter des trucs. Oh, oh mais il m'enchaîne. Putain, les gens qui pensaient que les combats pouvaient être lents, attendaient d'avoir des boss. Ah, il m'envoie des sbires à nouveau. Ok. Allez, tu dégages. A chaque fois que je contre, je fais carré. Je me demande si je fais triangle, une attaque lourde. Je peux les buter. Oh, je one-shot avec triangle. Oh, mais c'est fat. Mais on enchaîne bien avec ça. Le boss est trop classe. Je vous jure, je kiffe ma vie là. Oh là. Ouais, en fait, appuyez juste sur R1 au bon moment, peu importe sa... la position de Senua. Oh là, il peut me finish him, là, comme ça. Ok, allez hop. Oh bordel, il me rend sourd en plus, quoi. Non, franchement, c'est super épique. Et ça, c'est un jeu qui fait 30 balles. Oh, trop classe quand t'esquives, quand il te fonce dessus. Bouffe ça, ta race. Non mais franchement, pour 30 balles, mais foncez les gens. L'histoire, elle a l'air géniale. J'en sais toujours pas plus que vous, mais... Ok, tu dégages. Voilà, au suivant. Oh, attendez, les ennemis avancent ensemble. Ça veut dire que... Ouais. Non, ok. Les ennemis peuvent vous attaquer en même temps. Ils peuvent vous attaquer en même temps. C'est pas chacun qui attend son tour, quoi. On n'est pas dans un Batman, quoi. Ok. Enfin, j'ai rien contre Batman, hein. Je parlais juste que le dernier auquel j'ai joué, je me rappelle que les ennemis dans l'asylum, ils se... ils attendaient leur tour pour se faire péter la gueule. Bon, remarque que si, c'est peut-être un peu ça aussi. Allez. Hop. Oh mais attends, il est pas encore... il est en mode ombre là. Ah oui, je lui fais pas mal du coup. Hop là. Oh putain, non, il m'a shooté. Le bâtard. Ah c'est bon. On peut même contrer le gros cri qu'il nous fait. Oh, bordel. Ah mais... Ok, tu vas bouffer quoi. Non, en fait, je peux vraiment rien lui faire. Ah, mais voilà. Putain, c'est la touche focus. J'avais complètement zappé. On peut faire R2 pour ralentir le temps pendant les combats. Je suis complètement con, j'aurais dû le faire plus tôt. Hop là, esquive. Oh, bordel. Il m'a démonté. Oui, je suis par terre. Hop. Ah, bah là, maintenant, le focus, je vais pouvoir l'activer un peu. Il est quand même assez rapide, malgré le fait que je ralentisse le temps, là. Crève ta maman là, mais putain il m'esquive même en focus quoi, il me victimise le type. Ok, on peut le faire 3 fois, à chaque fois qu'une spirale sur l'espèce de relique qu'elle a à la taille se remplit. Je peux en faire un là du coup. Bordel, je le fais jamais à temps ça, hein. Je l'ai fait une fois, c'était stylé. Bouffe. Ça y est. Oh génial. Putain j'ai buté le premier boss. Non, franchement, gros big up à ce jeu. Franchement, là, on est sur bah, du bon game, quoi. Franchement... Oh, nice. Bravo, Senua. La marque... c'est la porte de Helheim. Garde-la dans ton intérieur. Bon, ok. Faut que je la réutilise plus tard. Ok. À chaque victoire, la rapproche de la défaite. Oui, bah oui, remarque qu'il y a Sacrifice dans le titre. Je suppose qu'elle crèvera à la fin, hein, malheureusement. C'est dommage, on commence à s'y attacher à cette personne. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas. Génial. a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find. On n'aura pas cette chance de trouver l'âme de Dillion. J'arrive. C'est classe. Bon les gens, comme le jeu ne dure que 8 heures, hein, je vais m'arrêter là. Je pense en avoir assez montré parce que là ce serait plus du spoil qu'autre chose. J'espère du coup que le test de Hellblade Senua's Sacrifice vous aura plu. Sur ce du coup je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde et à ciao.